Coucou mes Skin Addict, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec un petit haul de produits que j'ai reçu de la part de Stylevana. C'est un site de produits asiatiques avec qui j'ai déjà collaboré, avec qui j'ai collaboré aussi pour le calendrier de l'Avent. Et cette fois-ci, ils m'ont proposé une sélection selon mon type de peau et mes problématiques. Je vais vous présenter tout de suite les produits qu'ils m'ont fait parvenir. Tout de suite avec une des nouveautés de chez Amish que j'avais très envie de tester, c'est le All Clean Balm. C'est un baume démaquillant qui est déjà très connu, qu'ils ont agrémenté, je sais pas vraiment comment vous dire ça, avec une odeur de mandarine, et c'est fabuleux parce que ce n'est pas du tout entêtant. L'efficacité est là. Clairement, elle est toujours là. C'était un baume qui démaquillait très bien, qui s'émulsionne très bien au contact de l'eau, qui fait tout disparaître. Donc voilà, ça se présente comme ça. Alors normalement, il y a une spatule, mais moi, je n'aime pas du tout. Donc voilà, c'est un baume qui est compact et qui se transforme en huile. Et voilà, comme je vous dis, l'odeur n'est pas du tout entêtante. Ça ne vient pas du tout piquer les yeux. Deuxième produit que j'ai reçu de leur part, c'est un toner que je connaissais déjà et que du coup je suis très contente de retrouver. C'est de la marque Cosrx, c'est le Propolis Synergy Toner. Donc c'est une lotion tonique pour le visage qui va venir hydrater et qui va venir nourrir avec du propolis et du miel. Donc voilà, c'est un toner qui est plutôt liquide. Comme vous voyez, je l'ai déjà entamé. Il a une très belle couleur jaune. C'est un toner qui est très liquide. Vous voyez ? Il n'est pas vraiment gélifié. Ensuite, on continue avec une essence qui, elle, je ne l'ai pas encore ouverte, mais qui est magnifique. C'est une essence hydratante. Donc le packaging, déjà comme ça, est très joli. C'est la marque ENS, je ne connais pas du tout. C'est le Jin Jung Sung Smoothing Moisturizer Skin Essence. Donc elle va venir hydrater et apaiser la peau. Et vous allez voir, le packaging est juste magnifique. C'est en vert. Voilà. C'est juste trop bon. Voilà. On continue avec une huile pour les lèvres de la marque Misha. Petit packaging très cute. C'est la Berry Lip Oil Superfood. Alors, je vous avoue que ça... Je ne sais pas si je vais en avoir grande utilité. Je l'essaierai, oui. Mais j'ai peur que ça soit très collant. Ça a l'odeur des... est-ce que vous vous rappelez ces... Attention, un retour en enfance. Les baumes à lèvres avec les petites billes qu'on avait dans notre enfance et qui venaient voilà, déposer une genre d'huile sur les lèvres avec cette odeur. C'est exactement ça. C'est cette odeur de fruits rouges. Voilà. Bon, c'est très chimique, mais ça me rappelle mon enfance. Alors... Autre produit, alors là par contre, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est de la marque VT, c'est l'essence Sun Pack. Donc ça dit être un SPF de 50+, avec un PA de 3+. Donc c'est quand même une bonne protection. C'est un cushion comme ça. C'est très joli. Hein. Donc il y a une petite houppette à l'intérieur. Et... Donc voilà, comment se présente le produit. Alors oui, pourquoi pas pour... c'est pas une coussinée, c'est une crème qui n'a pas d'odeur. Mais c'est une crème pour venir réappliquer dans la journée du solaire. Mais vous ne pouvez pas appliquer une quantité raisonnable, en tout cas efficace avec ce genre de produit. Voilà, c'est vraiment pour faire des retouches. Et alors ça, je vais l'emporter ce week-end parce que normalement je pars en week-end dans la maison de campagne. C'est un mini kit de la marque Sulwazoo. J'espère que je le prononce bien. Et c'est une marque qui est très chère. Et en fait, c'est une marque de luxe, on va dire,
asiatique. Je crois que c'est coréen. Attendez, que je vous dise pas. Oui, voilà. Et donc à l'intérieur, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 5 petits produits. Et comme je vous dis, c'est une marque très 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 chère. Donc on a le sérum activateur, le First Care, la lotion tonique équilibrante, l'émulsion équilibrante, le sérum régénérant et la crème raffermissante. Voilà. Donc très très beau petit kit en tout cas pour pouvoir tester et se faire un premier avis pour savoir si vraiment cette marque vaut son prix. Voilà mes skin addicts, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite.